Il sent que ça ne va pas tenir. Que dans quelques mètres, quelques pas, il ne pourra plus. Que son corps, que rien n'en pourra plus. Que la lassitude va le pousser à l'inertie, la paralysie, l'immobilité totale. Là, au milieu de tous, dans une allée des jardins du Luxembourg, au plus loin, dans la rue de Médicis, ou au tout dernier moment, devant la porte de l'école, là, bloqué net, se demandant pourquoi, pourquoi tout. À peine sorti de la station Port-Royal, à peine traversé le boulevard Saint-Michel, devant le lierre de la closerie, ou le lilas, plutôt, ceci expliquant cela. Il sent déjà ses jambes refuser de le mouvoir, de le tirer, de le pousser. Non qu'il préférerait fuir, fuir où? Pourquoi faire? Non, juste s'arrêter. Tout arrêter. Non qu'il préférerait mourir. Enfin si, mais tu es bien trop lâche. Tu ne peux pas. Les gestes, l'installation, la mise en scène, la corde romantique, le nœud, le seul nœud un peu complexe qu'il maîtrise parfaitement, l'attente même, l'espoir, la peur, le tabouret, le cou glissé, la vie vue d'un peu plus haut que d'habitude. Peut-être n'est-ce que ça, qu'un autre angle suffit à te faire changer d'avis. Un peu de hauteur, quelques dizaines de centimètres de relativité. Mais là, il est au ras du sol, d'un sol qui colle à ses semelles de plomb, qui engourdit ses jambes, son sang, sa volonté, l'habitude. Tout se transforme si vite en habitude, même ce qu'on aime le plus, même l'amour. Pour ça que la mort surprend. On s'était habitué. L'habitude tue. Affronter encore. Toujours les mêmes peurs, les mêmes autres. Ses pas dans les pas de la veille. Le premier portillon du tout premier jardin. Sur le boulevard, il y a les autres, les vivants, les inconscients vivants. Alors ils passent par les jardins, un peu moins prévisibles. Des gens qui ne vivent plus ou ne vivent pas encore. Trop vieux, trop jeunes, trop à côté ou en dehors de la vraie vie. De la vie attendue, qui nous attend, que l'on attend de lui, celle des gens du boulevard, des gens qui ne se posent pas la question, qui ne se demandent pas pourquoi, qui ne s'arrêtent pas, comme lui, en plein milieu de rien, pour rien.
mais les jardins peuvent être pires, le rendant plus inconcevable encore. Inconcevable. Rendant ses pas, son but, à une bien trop flagrante absurdité. Ces gens qui ont le temps, encore ou désormais, pour qui les notions de carrière ou de réussite sociale sonnent du creux dont elles auraient toujours dû sonner. À quoi bon? Pourquoi faire? Il sent ses semelles crisser sur le gravier. Il a quitté l'asphalte. Il s'avance dans l'allée. Celle de droite. Pas trop loin de la ville, du boulevard. Sinon il ne reviendrait plus. Resterait. Il se sent flagellé. Les pieds qui raclent sur le sol. Le freine. Le freinent encore, de plus en plus encore. Et beaucoup sont là, éparpillés sur le gazon, sur les bancs, qui longent en traînant des pieds, mal à l'aise, presque honteux, n'osant qu'à peine regarder. Ombre claire, ambre solaire, rires et chuchotements, duos allongés, enlacés, mots doux, sous-entendus. Et cela va s'empirant dans le jardin suivant. Il tient, pourtant, tient encore. D'autres jeunes robes claires, d'autres rires insouciants. Tu te traînes de plus en plus, tu n'en peux plus. Arrête. Arrête. Combien de temps cela va durer cette fois? Et sera-ce la seule fois? Tu restes là, figé, à 2 mètres du portillon de la sortie du deuxième jardin. Des gens te bousculent, te disent pardon. Encore une rue à traverser avant le grand jardin, le dernier, l'officiel, et puis retour à la vie, au boulevard, à la place, à la rue, jusqu'à la porte de l'école. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'y es jamais arrivé.